Boom. Donc, je vais update les infos du stream pendant ce temps-là. Tac. Dwarf. Update. Ok, du coup. Avec ça. Donc du coup, hop là, Sunday, yay, Dwarf épisode 2. Donc Dwarf épisode 2, c'est parti. On va se faire un petit 30 minutes de Dwarf, c'est parti, je lance le chronomètre. Tac, on va essayer de battre notre record là. Non, pas ça. Tac. On va essayer de battre notre record en rush mad. On va pas. Non. J'ai le droit. Attendez, mais en fait, je peux faire un truc. Mais... Non, le but, c'est d'avoir un meilleur score quand même. Okay. Ça marche ça ou pas ? Ça marche pas. Bref, on a bien fait de faire ça. Je sais pas pourquoi je l'ai pré lui. Hop là, problème réglé. Lui, je l'ai pré-fire en mode je te mets un mur direct. Là, le pain. Ok. Là aussi, ça se fait. Si on coupe, on peut pas par là déjà. C'est mort. Mec, t'es en train de taper dans le milieu dur. Ok, si tu veux, tu peux aller là-bas. Ok, on se calme, les gars. On a des trésors, c'est bien. Là, ça a déjà commencé à être protégé. Du coup, ok, là c'est la merde. Là, c'est la merde. Toi, tu reviens là-bas. Attends, non, quoi que. Creuse là-dedans. Attends. Non mais ils sont cons. Et c'est chaud hein. Ils sont cons sa mère les mecs. Non mais oh. Stop. Ouais, vous avez niqué les trésors là. Là-bas il y a quoi? Il y a des monstres. C'est pas bon. Là. Stop! On m'a dit stop. J'ai plus de thunes ou quoi? Putain. J'ai plus de blé. Mais attends, mais lui, il est teubé? J'ai genre. Rarement vu une bête aussi conne que ça, quoi. My God. Allez, on est à 75 près. Allez. Boum. Il manque quoi, lui, là? Sans déconner, il manque quoi? Ok. Il faut que ça aille là. Ah oui, c'est vrai que vous voyez que là ils peuvent passer, c'est cool. Donc on sait un peu de blé du coup, mais sans plus. Alors toi, tu vas me recruter un max de soldats là.
Là, il y a un boss, parfait. Noir côté. Alors là, le but. Ok, alors lui, il a fait de la merde aussi. On va mettre. On va mettre un truc là. Non, je sais pas. Là. 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 Il n'a pas le temps d'y aller. Va plus vite. On a des reward, ok. Donc, vas-y, protège ce centre d'entraînement, toi. Bon, tac. Là, on va les mettre à train. Ok. Alors, moi, ce que je peux faire, c'est là, m'envoyer au casse-pipe ici, lui. C'était prévisible. Y a des trappes, ça se sent. On dépense trop de lové là. Ok. Le con! Le con. Le con. My God, quoi, ils sont teubés les mecs. Bon, ça on l'a refermé. Le boss on l'a vaincu, ça il faut le refermer. Tac tac. Tac tac tac. Il manque de l'argent. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a des mecs. Ah putain. Toi tu vas là. C'est parti. Et hop, non, je t'ai pas dit d'aller tout droit, mec. Fais gaffe à ce que tu fais un peu. Allez, bouge ton cul là. Hein. Allez. Ce qu'on peut utiliser aussi, mais ça c'est ce pré-aim quoi. C'est l'eau pour contrer la lave. Vais chercher des loves, je vais chercher des loves là. En fait, ça crée tellement de mecs middle là que du coup ça me dépense de l'argent à une vitesse extraordinaire. C'est bon, on peut arrêter de les train. Du coup là on a une force d'élite. Je peux les catapulter sur une grosse partie de la map. Du coup même si on trouve des mecs à combattre, c'est bon. Hop là, on va enfermer ce petit trou de lave là. Pas trop de souffle, chier. En espérant qu'il n'y a aucun mongol qui creuse dans l'autre sens. Hein. S'il se passe quoi? Ah oui, il l'a roulé. Ok. Non, ça c'est du. C'est de l'or, c'est bon. Pardon. C'est mort. Ok, en fait c'est pas mort. Là, c'est du blé. Donc là, on a survécu pendant 8 minutes, ça c'est génial. L'autre fois, on a duré à peu près 30 secondes. Là, en même temps, on a eu un peu de chance. C'était des trucs assez proches, quoi. Ok, il y a des ennemis par là. Du coup, on prend notre petit gars là. Okay. On les envoie là. Voilà. Et lui va le défoncer, il va le déboîte, on peut aller voir au cac. Hein. Salut. Des ennemis là. Hop. On envoie notre petit guerrier level 4, il va les botter. Salut, salut. Il les a roulés. Tac, tac.
Alors toi. Plus on a de sous comme ça, plus on peut. Merde. Sérieux là? Quand je l'ai fait avancer pour aller creuser le trou, on fait de la merde. Ça c'est là. Qu'est-ce qu'il y en a? Qui est prêt d'ouvrir un truc. Genre là, ça sent le bait. T'es sûr qu'il va se passer une merde comme ça? Ah, c'est nickel. Hop. Mais son level 1, c'est pas super génial pour aller déboîter le mec. Ouais, il level up en fightant, mais plus ça passe. Hein. Un petit peu de hit and run. Je sais pas lequel il tape. Bon, ils ont explosé, hein. Des level 1, ils sont direct level 5 d'ailleurs. Bah, pas besoin de les train du coup. Parce que les train, bon, c'est un peu cher. De la lave là. Le poste is under attack. Ah là là. Le poste is under attack. Tu vas voir le poste is under attack. Il va te défoncer, mon gars. Non, 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 c'est mort là. Oh. Défends-le. Miss fight, c'est bon, nickel. On a défendu le poste du coup. La balle des boîtes. Voilà. Bon, du coup, on est pas mal là. Je vais pouvoir accélérer un peu. Il y a une autre. Là, il y a un autre boss qui s'est fait. Le j'ai une limite, c'est que je dois perdre maximum 200 soldats, enfin 200 mecs. Non, 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 tu croises pas là, toi. Tiens, tu mets une petite dynamite ici. Instant. Là, c'est intéressant de les diriger. Des trésors directement. Ouais. Non, ça pue le bait ce truc. Non, j'y crois, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Ouais. Ah, il est pas mal, hein, le mec. Il sait se battre. Ok, ils ont créé un. Ok. Viande, ok là. Merde. Ok. Alors là, c'est la merde. Là, c'est la merde. Donc ce qu'on peut faire, hein,
Pour ralentir l'eau, on peut faire ça. On a masse thune, hein. Voilà. Sauf que ces trous du cul, ils vont aller le creuser. Bien évidemment. Voilà. Bon, on a terminé. 14 minutes 09 secondes. C'est mon plus gros score. Donc, je vais Esper TV. Voilà. C'est mon plus gros score. Save. Bravo. Ah, voilà. On a atteint la limite fatidique des 200 nains à mourir. Donc, c'est pour ça. C'est l'eau qui les a. Boum. Ça les a one. On a tenté le petit mur d'eau de la dernière chance. Mais bon, c'est pas grave. J'ai mal réagi. Normalement, dès que j'ai eu la notif de l'eau, j'aurais dû pause le jeu et immédiatement trouver un moyen. Du coup, ce qu'on va faire, on va faire du base defense. Bam. Du coup, je vais faire la strat que je faisais avant. Donc, je le laisse progresser au maximum vers la base. Genre là. Là, je vais commencer à entourer la base. Tac. Tac. Ok, là, j'ai un peu fait de la main. Tac. 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 À défaut d'avoir les 20 gold, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Là, le but, là, ce maze, il est pas mal, franchement. J'ai utilisé beaucoup trop d'argent dessus, d'ailleurs. Parce que je vais peut-être pas pouvoir passer la première wave, mais ce maze est vraiment pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire en sorte que lui, il les one. Il faut juste qu'il nous fasse 100 dolls là. Hop. Du coup, avec ces 100 dolls, j'en mets un deuxième. Et lui, 20 gold, voilà. Du coup, là, j'en ai deux à grand range. Qui vont. Voilà, la base va tanker un peu. Hein. Ah, mais c'est bon, on a un troisième même. Bon, la base, du coup, elle va rien tanker. Tac. Bon, voilà. Là, on a un bon départ. Déjà. Alors là, le seul truc, c'est que il faut rejoindre là-haut. Pardon. Du coup, là, je vais juste faire des trucs qui remontent comme ça. Voilà, là, tous les coins sont bien fléchés. Hop là. Voilà. Là, c'est nickel. Le plus efficace, ce sera lui. Voilà, là, on a un départ plutôt correct. Voilà, nickel. Donc, ensuite, lui, pareil. Il va passer par là. Et vu qu'on a des fonds, on va passer par derrière. Tac. Hop là. On pourra mettre un truc assez intéressant ici. Hop, on va le re. Hop, celui-là, comme ça, il a une plus grande range. Voilà, alors nickel. Pop, pop, pop. Donc voilà, il reste la dernière à ouvrir. Tac, tac. Donc là, on a un maze qui est plutôt pas mal. Là, on a économisé un peu pour pouvoir, voilà. On va jouer avec les, comme là, notre maze passe vraiment par les gates des côtés. Ok, c'est le last 250 grammes qu'on va avoir. Du coup, on aurait pu carrément l'améliorer, en fait. Ouais, pourquoi pas, hein. Le truc, c'est que, après, pour aller dépenser de l'argent ici, il fallait le faire. Je vais faire ça.
Mais bon, je vais pas trop dépenser d'argent dans ce secteur-là. Après, je vais plutôt me baser sur ce secteur-là. Autour de la base, finalement, ce qui ne sera pas vraiment autour de la base. Genre, là, c'est le truc le plus près de la base et en même temps le plus loin. Tout l'avantage du truc. Et les tours vont toujours tirer en priorité sur ceux les plus proches de la base dans le circuit, de toute façon. Ce qui va être sympa. Là, on peut avoir une bonne petite frappe d'AE ici, là, qui va toucher déjà les ceux qui arrivent là et ceux qui arrivent des êtres. Du coup, là, on va faire un peu d'argent, tout simplement. Là, on gratte de l'argent, on gratte de l'argent, on va investir après vers une tour missile. Petite tour missile qu'on va poser près de la base, genre. C'est quoi le plus optimal? Genre là, dans un coin, pour bien tout toucher. Sachant qu'on va augmenter la range après. Bon, ils vont se faire one, c'est pas trop un problème. Tac, tac. Là, il n'en reste plus qu'un. Du coup, il va se faire défense. Enfin, il en reste deux, mais ils vont se faire défense. Voilà, avant même de toucher la base. Du coup, ça, on va l'upgrade en early. Alors, il me semble qu'à la prochaine wave, je vais avoir les ennemis invisibles. Donc, eux, je peux gratter quelques tours déjà sur eux. C'est... Ah, ouais, non, c'est même pas la prochaine. Bref, c'est après, quoi. Eux, je peux gratter quelques tours sur eux, puisque au lieu de leur mettre des pics, je peux leur mettre un mur qui vont taper. Ça peut faire gagner du temps. Ben voilà, c'est... Voilà, parce que là, j'ai pas assez pour mettre ça. Clairement pas assez. Du coup, ce que je peux faire, c'est ça. Comme ça, ils sont tous en range, sauf lui, là. Et, justement... Tac, tac, ça. Voilà. Là, du coup, j'ai dépensé que 150 dollars en créant deux murs. D'ailleurs, les murs, si vous les spammez, quand j'aurai beaucoup d'argent, je pourrais commencer à faire des lignées de murs là. Pour vraiment les paquer de plus en plus, les mecs, et les full out. Voilà, par contre, ça, il va falloir que j'en crée. On va le mettre où? Passe par là, du coup. Par là, là. Non, un endroit où ça va être utile, les 4 plutôt. Bon. Voilà. Je pourrais mettre un feu par là, ou enfin, éventuellement, quoi. Toute la wave va être utile. Hein. Surtout que là, toutes les 3 waves vont passer là. Ok, donc là il y a un seul titan, donc déjà il va manger avec ses trois trucs. On va les up d'ailleurs. Et la tour à missile. Là normalement il devrait pas péter ma base, ça sert à rien, il va me défoncer mes 75 dollars investis dans ce mur par contre. Donc voilà le titan. Donc là déjà il a pris un midlife, ça continue de tirer ici. Là, ça va recontinuer à tirer ici. Non, pas la range. Ok. Là, on est dans la merde. Du coup, il va taper la base bien comme il faut quand même. Non, c'est bon. Bon. On n'a pas encore assez de force de frappe burst, on va dire. Ça va venir, ça va venir. Rien que les missiles, ça fait le taf en early de toute façon. C'est juste que là, j'en ai qu'un seul. J'ai trop mis de tours mono. Bref, du coup, d'ailleurs ça, il m'en manque une comme ça. Je vais mettre la dernière comme ça là, vraiment pour avoir une force de frappe. Ok, eux ils vont taper un peu la base. Très brièvement, ils vont taper la base boom sur one. High speed wave, donc ouais, Osef.
le missile qui fait son taf dans ce genre de cas. Hop, high speed, ça me fait penser que du coup je vais mettre une toile. Là je vais directement partir sur une missile tower. Et là j'aurai une allée de bleu. Et là une allée de bleu aussi. Deux allées de bleu. À terme quoi. Donc on va se concentrer sur des, des tours niveau 1 pour l'instant. Le but ça va être de poser des tours. Tiens là on va en bazarder une. Va falloir remove le plus gros dès le spawn quoi. Non, une là. Il faudrait que j'upgrade par contre. Que je l'ai bien posé pour quand elle est max life. Voilà, encore un upgrade. Elle, j'étais obligé de l'upgrade pour la range en fait. Parce que j'allais pas la poser collée à la truc juste pour qu'elle soit effective. Il fallait aussi que elle serve à quelque chose. Hop, là, pareil. Je sais pas si j'ai la range. Mais... Non, on va la mettre comme ça. Bon, alors les titans ils sont en train de se faire rouler. Bon. Donc là aussi il va falloir en mettre là. Ils auront la range du coup. Alors le dernier titan qui va décéder. Oui, il faut aussi que je mette tac. Ok, nickel. Ça. C'est juste après là qu'il soit plus invisible, qu'il y repasse. Le feu là ça les crame bien. On va mettre un feu là. Comme ça. Non, comme ça c'est très bien. En fait, le feu il augmente en range après sur la longueur. Du coup, s'il peut prendre une ligne et prendre 4 sur la ligne. Du coup, là il va bien cramer. Ça aurait du bien, ça aurait du bien. Alors ça on va le faire up du coup vu qu'on les a toutes up celle-là. Ok, là on va se concentrer maintenant du coup sur un peu de slow. Un peu de slow, on va commencer à up les slow. Hop, celle-là aussi. Et maintenant la range. Hop, et celle-là aussi. Voilà, dès qu'on a fini. Ah, parce que là ils vont très vite les bordels. Hop là. Là ils sont bien slow, ils vont toucher la base normalement. Non, même pas. Ok, c'est nickel. Du coup il nous faut un combo là. Là avant qu'ils arrivent dans la zone. Bon, ça va être le dernier slow early que je vais mettre. Je vais l'augmenter au maximum. Pour qu'il est slow bien avant d'arriver dans la zone à eux. Voilà, nickel. Donc maintenant on va spammer. Les 400 là. Hop, un 400. 2 400. 3 400. Donc là, je vais remplir des 400. Là. Tiens, je vais en mettre un aussi là. Oui, il y a quand même deux waves, c'est pas. C'est pas mal de DPS en deux fois aussi. Hein. D'ailleurs là. Attendez. Là, il faudrait peut-être un 500 là. Parce que là, c'est pas ouf du coup. Il y en a un qui va toucher, non il va pas toucher la base, mais le deuxième pas mal quoi. Faudrait qu'il y en a un qui meure là. Ah, vite, meurt. Ah, bon. Ok, juste avant qu'il arrive. Ok. Oui. Alors ça il faut en construire, dès que vous voyez cette wave là, il faut le construire.
À un moment, j'arrivais même plus à la passer, celle-là. Voilà, on commence un peu notre mono, là. Notre ligne mono. Très important. Et là aussi, qui est axé directement sur la base, au cas où il y en a un qui passe quand même, qui soit one. Celui-là, du coup, c'est celui-là qui a accès à la base, on va la. On s'emballe. Et là, il va falloir rajouter de la E incessamment, sous peu. Voilà. Ok. Ça se rapproche de plus en plus de la base, là. Je vais rajouter un truc comme ça, on est en ligne là. Okay. Cent cinquante boules, allez. Ouais, okay. Et 175. Là, le but c'est vraiment de cramer la porte 4 et 3 au pop. Là-bas, ça travaille tranquille et qu'éventuellement là il n'y a que les titans qui passent tranquille quoi, ici. Ouais. Là, c'est la last march de Farmageddon. Du coup, si j'ai pas envie de me faire one Armageddon, il va falloir que j'improuve le mono là. Hop, un mono. Là, on est à 1 200 000 en score, donc c'est pas mal du tout. Merde, je l'ai déjà fait. Plus de. Plus de. Mort. Ok. Ok, toi. Donc, ça, c'est l'Armageddon. Voilà. C'est en gros, c'est il y a des mobs partout. Clairement. Partout. Du coup, les sous montent vite aussi, mais. Là, on a eu un problème, c'est les petites merdes invisibles qui sont passées. Du coup, on va foutre des trucs anti-merdes invisibles partout là. Ça, c'est anti-rapide. Il y en a qui vont tracer. Et les petites boules bleues vont quand même partir super vite. Du coup, elles vont les rattraper. Voilà, là il y a des titans dans l'histoire, hein. Il y a plein de mobs, plein de mobs à AOE, mais il y a aussi des titans qui passent. Et du coup, si vous arrivez pas à AOE les mobs, ben vos lasers bleus là, au lieu de s'occuper des titans, ils vont s'occuper des mobs normaux, le premier de la file, quoi. Et le titan, il va passer derrière au calme. Là, il y a plein de titans qui arrivent à passer. Il y en a un qui a failli toucher la base. Mais voilà, comme c'est souvent en fin de wave que le titan arrive à passer, vu qu'on a bien clean toute la wave, ce truc-là qui est juste connecté au final à une des dernières lignes de la base va servir. En cas de dernière cour, du coup, on a bien fait d'utiliser cette zone.
Moi, c'est un peu bordélique après, hein. 19 minutes de game, 1 950 000 points. Mon record, c'est 3 millions 8, je crois, ou un truc comme ça. Après, si on regarde le global, il y a des records débiles, genre 50 millions de points. Des mecs, ils ont cheat. Mais ils ont patché ça. J'ai vérifié, j'ai essayé avec Cheat Engine de... Genre de me donner des gold, j'ai fait un parcours de la mort qui tue, etc. Avec du DPS Imba, max level, etc. Et déjà, il y a... Je suis arrivé à un endroit où c'est, on dirait que cette partie du jeu a été conçue pour les cheaters. Genre les mobs allaient tellement vite et tellement beaucoup à la fois que c'était impossible à les tuer. Même les boules bleues là. Le mec il se prenait une traînée de au moins 200 boules bleues derrière lui, mais sans jamais le toucher parce qu'il était trop rapide. Et ça c'est parce que plus on avance dans les niveaux Armageddon, plus les mecs ils ont des speeds. Donc là le titan qui est tout coup, qui est tout lent là, bah, des fois il peut vouh, il se donne un coup d'accélération d'un coup. Alors là, on va commencer à ingrer une crise des trucs. Apparemment. Armageddon 6, on va essayer d'increase le maximum de tower possible. Tac, hop là. Bon, la petite bleue, on peut la mettre max level en 2-2, ça, c'est pas trop important. Seulement pour ceux qui ont des petits sprints, hein, ça va être sympa. Là, on a 2,7 millions de score. Armageddon Wave 6, donc on est assez loin dans le jeu là quand même, hein, déjà. Les records, les meilleurs scores legit, c'est dans les 8 millions. Après, ça passe de 8 millions à 50 millions, donc on voit que le mec a cheaté, quoi. Et maintenant, le jeu détecte que vous avez cheaté et il vous propose pas d'enregistrer votre score à la fin. Du coup, peut-être que le mec a carrément cheaté l'envoi du score directement, plutôt que la game elle-même. Peut-être qu'il a pas joué du tout. Là on est en wave 8, alors la wave 8, c'est celle où je perds d'habitude. Donc je vois pas pourquoi ça changerait du coup. On n'a pas une bonne AOE ici. Je vais essayer un peu un nouveau truc, c'est de mettre des monos ici, parce que je vois qu'il y a des titans qui se baladent un peu tout seuls. La wave 8, on l'a passé, on est à 3 millions de scores là, du coup, nickel. Du coup, c'est une bonne game ça. Hop, là-bas, j'ai mis un peu de mono. Voilà, le titan qui est un peu paumé là, mais il va prendre un peu de DPS dans la gueule du coup. Là, on voit que c'est de plus en plus long à le dépasser le truc. Wave 10, hop. En fait, je sais ce que là j'ai pas fait par rapport à d'habitude, c'est que d'habitude j'arrête pas de dupe les trucs à 100%. Au lieu d'en créer des nouveaux directement. On dirait que ça joue énormément. Donc là, bon, voilà. On voit que j'ai toujours le même maze, hein, le même labyrinthe. Et du coup, c'est un bon design de labyrinthe en early qui fait toute la game, quoi. J'aime bien ce système de double passage là. Là, ça commence ici. On est très près de l'entrée, mais en fait, on va hop, tac, 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 avant d'arriver là. Et du coup, c'est-à-dire que les deux gates ici, on va profiter du DPS offert par elle dans la dernière ligne droite avant la base, quoi.
Voilà. Donc là, je suis en train de... Pas encore, hein. Pas encore battu mon meilleur score, mais on se rapproche. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des walls là. Au cas où il y a des mobs qui arrivent. On va leur mettre du DPS mono dans le coin aussi. Tac. Voilà. En early, je me suis bien appliqué à avoir des tours qui touchent le maximum de trucs. En comptant que je vais les évoluer. Là, vraiment, le but, c'est de poser des tours. Et dès qu'on aura rempli la place, qu'on pourra plus rien poser, faudra penser à les upgrades. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Il y a encore plein de trucs à poser. Énormément de trucs à poser encore. Donc là, on va se faire une ligne de mono avec une ligne d'AOE derrière. Là, je bats mon meilleur score déjà. Voilà. Et lui, là, bon. Je peux mettre en pause, essayer d'upgrade ça. Mais ils sont pas en range. Il s'est fait one shot du coup. Mais il est passé quand même le boom. Hein. On voit que malgré qu'il y a un énorme DPS sur la map, il arrive quand même à passer. D'ailleurs là, il faudrait que je les upgrade, ceux-là, le plus proche de la base pour qu'ils puissent DPS en cas d'extrême urgence. Tac, 350 pareil. Lui c'est fait. Lui il aura pas la range. S'il a à peine la range. Là on voit qu'il y a de plus en plus de titans qui arrivent à passer, quoi. Ah, ça va peut-être être la fin de la game là. Allez, 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 allez. Il lui reste autant de vie que ma base. Pop. On a survécu. Fuck. Ce que je peux faire là, c'est mettre un slow. Un peu plus d'AOE ici, un peu plus d'AOE là. Bon, normalement, je devrais perdre sur ce tour, hein, puisque bon, on bat là. Voilà. New high score, on a perdu. Je suis assez fier de ce score, parce que ce jeu, je l'ai tryhard. Des heures et des heures pour monter en niveau, quoi. Parce que là, et là, j'arrive en 40 minutes là, de gameplay à remonter à 4 587 450. Ça va être mon meilleur score. GG à moi. Hop. Voilà. Alors, en local, voilà. Donc là, c'est vraiment mon meilleur score, 4 500 000. Là, si on regarde le global, bon, on voit qu'il y a mieux que 4 millions. Par contre, les top players, c'est là que c'est marrant. C'est voilà. Uncle Ben, lui, il a carrément cramé le jeu dans le sens où le score maximum atteignable, c'est 50 millions. Lui, il a fait 50 millions 10 000. Donc voilà. Et quand on passe la page d'après, on voit que ça passe de 50 millions à 14 millions. Déjà, 14 millions, il est un peu cheateux. Donc peut-être qu'il avait modifié ses golds ou quoi pour en arriver là. Ou alors qu'il a du skill, mais lui c'est le meilleur joueur mondial à Swixel avec un score de 14 millions. Nous on est à 4,5, on a des progrès à faire. Il a dû faire un truc de fou pour son labyrinthe, dépenser beaucoup plus d'argent sur le premier. Dépenser énormément d'argent sur le tout premier et jouer avec les petites towers. Quitte à en détruire une. Etc. quoi. Donc, on vient de terminer les 43 minutes de game, enfin les 45 minutes de gameplay sur Dwarf. On a battu notre score de base défense là, notre meilleur score. Donc c'est sympa. Pour rappel, ça ressemble à ça. On se balade, tac. Donc, je pense qu'on va refaire un peu très brièvement une petite course sur Project Cars et après on va partir sur CS.